Yo, pas tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo ici de la part d'Ortex et Elpa, au mieux dire de la part d'Elpa, tout simplement. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes tous en forme parce que moi je vais très très bien. On s'approche les amis, on s'approche du derby, on s'approche et j'avais envie de vous en parler, j'avais envie de vous partager le moment de l'attente parce que j'arrive plus. Franchement, j'ai hâte d'être à Milan. J'ai hâte d'être avec les amis supporters, de fêter ensemble et j'espère aussi de voir un très très beau match dimanche soir. Moi je serai présent, je vais vous enregistrer justement le derby, je vais vous enregistrer dans le stade, l'ambiance de fou qu'il y aura et tout. Donc ça va être génial, franchement ça va être génial. Je vais tout vous enregistrer, ensuite je vais vous faire une petite vidéo en tout, en général. Comme ça, on est tranquille et vous pourriez voir aussi de chez vous à la maison le derby Inter contre Milan. C'est parfait, non? Et quoi dire d'autre? J'ai hâte. Donc là, cette vidéo, vous allez la voir certainement vendredi. Donc moi, je vais partir samedi soir à 6h30, j'ai l'avion. Donc, je vais y aller avec mon meilleur ami. Il n'est jamais allé à Milan, donc il faut que je lui montre un peu Milan parce que moi, j'y étais déjà. Donc, on va un peu visiter Milan. Il faut que je lui montre les endroits, etc. Donc, avant le match, on va dire, on va se réchauffer. Et j'ai hâte et ce que je m'attends de ce derby les amis, ce que je m'attends c'est un superbe match, déjà pour commencer, un superbe match de la part de l'Inter avec beaucoup d'action, avec un très beau jeu. Donc c'est ce que je m'attends. J'ai lu ce matin que, à ce qui paraît, Spalletti aurait pensé de faire une formation avec une défense à 3. Je trouve que c'est une mauvaise idée de changer la formation pour un match aussi important que le derby. Je conseillerais quand même de pas changer, de rester avec la formation qu'on a d'habitude parce que pour l'instant tout a fonctionné, donc je vois pas pourquoi l'intérêt de changer. Maintenant le problème c'est que il me vient dans la tête, et là il faut faire vraiment confiance à notre Luciano Spalletti, c'est les joueurs qui sont revenus maintenant de la nationale, donc comme Icardi de l'Argentine, comme João Mario du Portugal, comme tous les autres, hein, comme tous les autres, Nagatomo du Japon, Gagliardini qui a joué 90 minutes avec l'Italie, Candreva qui a joué aussi avec l'Italie. Donc on a beaucoup de joueurs qui sont allés en national. Donc il faut voir maintenant Mr. Spalletti comment est-ce qu'il va gérer tout ça. Il a déjà commencé le travail bien sûr pour le derby avec les autres joueurs comme Dalbert, comme Cancelo. À ce qui paraît, Cancelo va jouer ce derby, à ce qui paraît, donc tout ce que j'ai entendu. Et j'ai une bonne sensation pour ce derby les gars. Mais le derby c'est toujours un truc risqué et un truc qu'on ne peut jamais être sûr au derby. C'est ça le problème. En fait, au derby, on ne peut jamais être sûr. L'année passée, quand je suis allé, on a fait 2-2 où le Milan avait marqué à la fin le deuxième but avec Zapata. Où moi, j'étais présent d'ailleurs. J'étais aussi au stade, j'étais aussi à San Siro, j'étais présent. Ça m'a dégoûté. Donc, j'espère pas revivre ça cette année. Et j'espère... J'espère quand même voir une victoire de l'Inter. Maintenant, je ne m'attends pas à une large victoire du genre 5-0 parce que, hein, mais au moins un petit 3-0, 2-0, on pourra quand même le faire. Si on joue bien, bien sûr, attention.
Ce qui m'inquiète, c'est côté Milan, là, parce que Milan, pour l'instant, il est dans la merde, le Milan. Hein. Adidas qui est parti, Audi qui est parti. Le président commence à être impatient avec Montel. Il a déjà rappelé deux fois pour lui dire, écoute, si tu continues comme ça, on va te virer, pratiquement. Et donc là, il y aura des changements chez le Milan. Et ça, ça me fait peur. Ça me fait peur un peu. Tous les Milanais parlent déjà qu'on devrait avoir peur d'eux, bien sûr, hein, parce qu'ils ont toujours une grande gueule. Mais je pense qu'à ce derby-là, c'est le Milan qui devrait avoir peur de l'Inter et pas vice-versa. On verra comment ça va se dérouler. Moi, j'ai confiance à Mr. Spalletti, j'ai confiance aux joueurs qu'on a. Brozovic ne sera pas présent parce qu'il s'est blessé avec la nationale. Il sera que de retour dans 3 semaines, pratiquement un mois. Dommage, d'un côté. De l'autre côté, peut-être pas dommage. Parce que ça ne veut pas dire qu'il a fait un bon match contre Benevento, que là, il allait nous faire un match de ouf contre le Milan. Parce que chez Brozovic, c'est comme Gagliardini, en fait. Brozovic te fait sur 5 matchs 2 matchs bons et 3 matchs de merde. Gagliardini, c'est pareil. Il peut jouer bon et il peut jouer comme de la merde. Donc, je sais pas. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant, Mr. Spalletti? Ça, c'est la question. Je vais même pas faire une vidéo sur la formation, les gars, parce que j'ai peur. J'ai peur même pour ça. Je laisse les mains à Mr. Spalletti. Je lui fais confiance, je fais confiance à cette équipe qu'on pourra gagner ce derby. C'est notre but, pour qu'eux ils sont à moins 10. Parce que juste après, le problème c'est que juste après on a Inter contre Naples. Ou Naples-Inter, je crois que c'est Naples-Inter. Ça va être merdique aussi. Donc moi, je opterai pour une victoire pour ce derby. Parce que si on perd le prochain match contre le Naples, on va dire, bon, c'est pas grave, ils vont rester quand même à moins 7 si encore le Milan va gagner. Ah, ça se peut qu'encore le Milan va reperdre et on reste à moins 10. Enfin, eux, ils restent à moins 10. On verra, les amis, on verra. En tous les cas, j'ai hâte d'être à Milan, j'ai hâte de vous enregistrer tous les vidéos pour la chaîne Ortex Sepa pour que vous voyez aussi l'ambiance qu'il y a, l'ambiance de fou. Bien sûr, moi, je serai juste derrière la courbe à nord de l'Inter, bien sûr, comme je l'étais l'année passée. Énorme, franchement énorme. L'ambiance, ça n'a rien à voir. Les gars, l'ambiance, c'est un truc de malade. Une fois dans votre vie, vous devriez vraiment aller voir le match Inter contre Milan. Ou Milan-Inter, comme vous voulez. Franchement, l'ambiance qu'il y a dans ce match, c'est impressionnant. En tous les cas, les gars, laissez-moi un commentaire, laissez-moi un like. Si vous allez regarder aussi le derby, soit au stade, soit chez vous à la maison. Et avec ça, je vous dis tout simplement merci beaucoup de regarder cette vidéo. Je vous donne rendez-vous donc pour la vidéo d'Alex Hunter semaine prochaine. Et avec ça, je vous dis bon week-end à vous tous. Je ne pense pas qu'il y aura des vidéos en week-end. Hein. Je pense que samedi, dimanche, je vais vous laisser tranquille. Et on se verra la semaine prochaine. Et suivez-moi sur Instagram, les gars. Instagram, Ortex Elpa. Suivez-moi si vous voulez. Je vais mettre des photos de Milan dessus, hein, sur Instagram. Et aussi sur la page Facebook, je mettrai aussi des photos. Pourquoi pas. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace tout le monde.